Cette chanson est géniale, non? Hé, je t'ai apporté une boisson. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive sans pression? Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait volé ce mec juste devant moi, en lui apportant un verre. Regarde ces pieuvres. Ouais, je pense qu'il faut que je les mette à contribution. Alors, il va me falloir de la cire à modeler. Je vais l'aplatir et l'enrouler autour de mon pouce. Je vais bien appuyer de sorte à former une pointe. Ensuite, je vais bien tout lisser. Ok, ça me paraît bien. Maintenant, il faut que j'ajoute ces petits cercles. Je vais en mettre sur toute la longueur. Ça devrait suffire. Reste à ajouter de la couleur. Je vais prendre un pinceau pour appliquer cette couleur mauve. Comme ça. Ça ressemble à la couleur de ma peau. Ça rend bien. Je vais le faire pour tous mes doigts. Voilà, c'est incroyable. Allez, c'est l'heure de mettre mon plan en marche. Ils sont là. Visiblement, ils continuent de s'amuser. Oh, on dirait qu'il s'en va. C'est le moment ou jamais. Je vais lui donner une leçon. Devine qui c'est? Des mains de monstres! Des mains de monstres! Hein? Où est-ce qu'elle est passée? Oh, elle a dû partir, mais ce n'est pas grave. Cette soirée d'Halloween me rend un peu nerveuse. Tada! C'est moi! Attendez, est-ce que quelqu'un m'a remarqué? N'importe qui! Oh, je passe vraiment inaperçue. Wow, tu sors d'où? Tu es là depuis longtemps? Je crois que mon fidèle pistolet à colle pourrait t'aider. Oh wow, tu as raison, merci beaucoup. Oh, il est parti. Pas grave, prenons cette feuille de papier en filigrane. Je fais les contours du motif avec de la colle chaude colorée. J'ai pris du noir parce que c'est Halloween quand même. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que la glu s'étalera beaucoup. Et voilà, j'ai fini mon traçage. Et tant que la glu est encore fraîche, j'y ajoute de petites perles. Et c'est sec! Je peux donc la décoller maintenant. Ok, j'ai une jolie cape qui brille de mille feux. Je dois aussi faire quelque chose pour mes oreilles. Je vais mettre ces bandes de tissu sur le haut de mes oreilles. Et je vais les pincer un peu. Voilà! On dirait que j'ai des oreilles pointues comme un elfe. Ensuite, mon masque en filigrane. Regarde, c'est un super masque! Et il va faire son effet. Wow, regardez là! Waouh, ton costume est extraordinaire! Je l'adore! Revoilà ton pistolet à colle. Merci encore! Oh, je t'en prie! Enfin. J'ai cru qu'on ne sortirait jamais vivante de là. Ce DJ est vraiment malade. Je suis encore en train de transpirer de tout ça. Allons nous asseoir. Ouais, allons-y. C'était tellement mieux cette année. Sur quoi je suis assise? Tu vois quelque chose? Juste un morceau géant de pizza? Ce fromage colle vraiment, hein? Ok, j'ai compris. Mais ça a laissé une vilaine tache. Quoi? Elle avait un supplément de sauce, tu vois? Je n'arrive pas à y croire. Je ne vais jamais me lever de ce banc. Ah bon? Attends une minute. Si mes yeux fonctionnent bien... Ouais, ça a l'air plutôt bien. Je reviens tout de suite. Allez, fais-moi confiance avec ça. Viens ici. Tu n'aimes pas ça? Tu es comme un rêve de Barba Papa. Sympa, non? Waouh! Allons montrer cette chose. Wouhou! Il me faut du maquillage noir et blanc, évidemment. Je vais commencer par le blanc et après je mettrai le noir. Les deux mélangés vont donner un joli gris et je vais m'en mettre sur tout le visage. Je vais même m'en mettre sur les lèvres, jusqu'à la racine de mes cheveux. Je m'en mets jusqu'à mes clavicules pour coller avec mon costume. Et voilà pour le gris. Passons au crayon noir. Je vais faire le tour de mes lèvres avec. Et maintenant, je vais me peindre les lèvres en noir. Et mes sourcils aussi. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, les sourcils noirs sont à la mode. Je vais aussi me mettre du noir sur les paupières. Des lentilles blanches vont aussi faire leur effet. C'est bon pour le maquillage. Maintenant, place au costume. C'est parti.
La perruque et le chapeau sont la cerise sur le gâteau. Quelle beauté! Prenez mon bras, ma chère. Cette fête est d'enfer! La période d'Halloween est la meilleure de l'année. J'adore me déguiser. Hein? Nom d'une citrouille, c'est quoi ça? Elle est vraiment habillée en noir et blanc? Oh, c'est ridicule! Regardez-moi ça! Oh, mais elle me regarde! Elle me fait plutôt flipper! Oh, wow! Qu'est-ce qui va se passer? Ma couronne! Oh, j'ai un haut de forme, tiens! Qu'est-ce qui se passe? Wow, c'est de la folie! Qu'est-ce qu'elle lui fait? Oh mon Dieu! Regardez ce qui m'arrive! Hé, regarde tous les autres autour de nous! Allons-y! Vite, vite, vite! Partons d'ici! Pour ce costume, dessine au niveau de tes clavicules. Pour le mélange, attrape un bol et un peu de colle liquide. Verse-en un peu. Et ajoute un peu de farine. Ajoute aussi quelques morceaux de serviette en papier et mélange le tout. Utilise ce bâton pour l'étaler comme cela. Ensuite, utilise un pinceau pour ajouter du fond de teint. Le but est de vraiment fondre le tout avec ta peau. Utilise de la couleur pour corps rouge pour peindre cette partie de ta poitrine. Vérifie que la couche est assez épaisse. Avec du maquillage marron, ajoute de petites marques comme ça. Donne-leur un effet un peu fondu. Ensuite, prends du noir et mets-en sur ton cou comme ça. Continue jusqu'en haut. N'oublie pas de faire derrière les oreilles. Tu vois ce petit truc? Colle-le ici. Et ajoute un peu de faux sang au tout. Laisse-le couler au niveau de la délimitation comme ça. Mets-en aussi sur cet objet. Wow! Ça fait super peur, non? Oh non! Je ne savais pas que ce film allait faire si peur! Qu'est-ce qui se cache dans ce placard? Mon Dieu, je vais mourir, c'est sûr! C'était quoi, ça? Aide-moi, Thomas! Chloé? Je t'en prie! Hey, ça s'est mieux passé que ce que je croyais. Cette discussion se passe vraiment bien. Salut les gars. On est un peu occupés là. C'est quoi leur problème? Excusez-moi. Ils sont trop susceptibles. Je suis sûr qu'ils vont aimer mon sabre laser. Faites attention à la force. Ou pas. Pourquoi est-ce que personne ne me parle? Oh, je sais. Prends un bout de mastic alimentaire et fais-en une petite bille. Ensuite, mets-la dans un bac à glaçons. Continue à en faire d'autres jusqu'à ce qu'il soit plein. Mets-le de côté et procure-toi de la gélatine. Verse un peu d'eau dedans et recommence avec un deuxième bol. Verse quelques gouttes de colorant alimentaire et mélange bien. Et hop, direction le micro-ondes. Fais-les chauffer pendant une minute. Voilà, on passe à l'étape suivante. Tu te souviens du bac à glaçons? Verse une petite cuillerée du bol bleu dans chaque espace. Oui, tous. Maintenant, prends la gélatine blanche et verse-en franchement sur le bac. Couvre le tout et mets-le dans le congélateur. Une fois prêt, il devrait ressembler à ça. Tu vois? Tu veux faire un carton à la soirée? Quelqu'un veut un œil? Ça me paraît être une bonne idée. Oups! Mon œil est encore tombé! Ça fait mal!
C'est tombé dans ton ventre, mec. Je vais vomir. Comment ça a pu se passer? Je vais prendre ça. Voilà. Je rigole. Qui ferait quelque chose comme ça? Ce gars est complètement dingue. Je sais que c'est Halloween, mais ça reste dégoûtant.